Bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir à tous. Merci bonsoir. De votre présence ce soir à vos côtés. Pierrick Jay, à l'occasion de votre ouvrage « L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances », dans lequel vous décryptez l'évolution des étés des présidents et ce qu'ils disent d'eux. Un ouvrage qui pose d'emblée un constat simple. Avant, un président pouvait prendre des vacances comme tout le monde. Un mois et demi de vacances pour Georges Pompidou. Un mois et demi de vacances, il partait à peu près du 14 juillet, après la fête nationale, jusqu'à la rentrée parlementaire, début septembre. Et il changeait de lieu de vacances trois fois pendant ce mois et demi. Il passait de Brégançon à la Bretagne, à sa petite bergerie à lui aussi, à Cajar, où il menait une vie un peu à la Marie-Antoinette, avec ses moutons, avec Claude Pompidou, qui faisait du cheval. Et donc, c'était un mois et demi de vacances. Valéry Giscard d'Estaing prenait aussi pas mal de vacances. Puis maintenant, François Hollande prenait 4 jours, 3 jours de vacances tout au plus. Ça lui a été reproché, on lui a dit qu'il en prenait trop. On lui a dit, à son premier été, il a pris 2 semaines de vacances et on lui a reproché d'en prendre trop. Alors qu'avant lui, c'est celui qui en a pris le moins. Avant lui, Jacques Chirac ou même Nicolas Sarkozy prenaient à peu près 3 semaines. Emmanuel Macron, lui, part 3 semaines aussi, mais finalement, il continue de travailler. Il fait juste du télétravail à Brégançon, si je puis dire. Et ses journées à Brégançon ressemblent à celles qu'il mène à l'Élysée. Ouais. Il se lève tôt, il passe des coups de fil, il fait même des voyages officiels. Un président aujourd'hui ne doit plus prendre de vacances, ça n'est plus possible pour les Français. On est président 24 heures sur 24, donc les crises peuvent vous rattraper n'importe quand, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, donc il n'y a pas de vacances présidentielles, sinon il y a une vacance de la présidence. Et ça, c'est un problème politique. Il se passe beaucoup de choses l'été, hein. L'invasion du Koweït, 2 août 90, le coup d'État en Russie un 24 août ou un 21 août. La canicule en 2003, Jacques Chirac était au Canada. Exactement. On a souvent des exemples comme ça, où le pouvoir semble vous donner l'impression qu'il se détend. Et en fait, il se relâche. Et c'est souvent une faute politique. Le krach financier, pareil, en août 2008. Donc, vous voyez, le président ne peut pas prendre de vacances. Valéry Giscard d'Estaing partait faire des safaris en Afrique et il ne voulait aucune nouvelle de l'Élysée jusqu'à ce que... Bientôt, la clé des champs pour Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt la clé des savanes, car dans quelques heures commencent pour lui les vacances. Les vacances, il achève sa visite au Gabon, une frontière à traverser, et il sera au Zaïre. Au Zaïre, croit-on savoir, comme disent les journalistes pudiques, car en fait, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas donné de précision réelle sur ses vacances. Si safari il y a, il aura lieu dans les forêts africaines, loin des regards indiscrets. Loin des regards indistraits. Autant il aimait qu'on le suive sur les pistes à Courchevel ou à la plage dans le Var, mais en Afrique, non. Il ne voulait pas d'image. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing, souvent, il profitait d'un voyage officiel mi-juillet en Afrique pour après se faire une petite semaine de safari où il ne voulait aucune nouvelle de l'Élysée, aucun conseil avec lui. C'était vraiment, il coupait des affaires de l'État. Et contrairement à d'autres vacances, comme à Brégançon, où par exemple, il accueillait tous les journalistes, il se laissait filmer en maillot de bain, en train de faire des brasses dans la Méditerranée, ou aussi pendant des vacances d'hiver, où à Courchevel, on le voit très sportif, en train de descendre les pistes, parce que Valéry Giscard d'Estaing, en fait, il voulait montrer qu'il était un président jeune, moderne, en bonne santé, contrairement à Pompidou avant lui. Et donc, il avait besoin de ce moment-là, de ses vacances, pour prouver ça. C'était un moment assez particulier pour la communication présidentielle. Un safari présidentiel, c'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, mais toutes ces vacances-là, qui sont des vacances un peu honteuses quand même, c'est plus possible aujourd'hui. Plus proche de nous, celle de Jacques Chirac dans son palace à l'île Maurice, ça serait aujourd'hui absolument indéfendable. Il y aurait un scandale immédiat vu les sommes dépensées. 460 000 francs pour 3 semaines. Exactement, c'est énorme. Plus le fait de faire ça aux frais du contribuable, d'y mêler des affaires de vie privée, ça serait aujourd'hui absolument intenable. Et puis pour le Giscard sportif, ce qu'on reproche aujourd'hui à un Poutine de se montrer tout muscle dehors en train de chasser le tigre, on ne le reprochait pas à l'époque à notre président. Bon, le ski, ça n'a pas porté bonheur non plus à Emmanuel Macron. En plein week-end de gilets jaunes, seule après-midi au ski lui a coûté cher dans les sondages. Oui, c'est intéressant de revenir sur cet été 2003, l'été de canicule. Moi, c'est les vacances présidentielles qui m'ont le plus marqué, puisque Jacques Chirac était allé prendre de frais chez un ami milliardaire canadien, mais il ne se contentait pas d'être loin et à l'étranger, il était aussi injoignable, invisible. Il n'y a aucune image de ses vacances et il n'a pas eu un mot de réaction ou de compassion pendant 3 ou 4 semaines, pendant que des milliers de vieux mouraient dans les hospices et les maisons de retraite. Qu'est-ce qui ne serait plus possible aujourd'hui, les deux, c'est-à-dire à la fois l'étranger ou le fait de ne pas se montrer régulièrement ou de ne pas avoir de mots de réaction? Les deux. D'abord,
être coupé de l'information. Aujourd'hui, les systèmes autour des présidents, à la demande des présidents qui ont compris qu'un quart d'heure de retard sur Twitter pour réagir, ça crée un problème politique, les présidents demandent à être informés, les premiers à être informés en permanence. Et donc, ça pose un problème quand il y a un délai, une carence. Par ailleurs, le lieu de la présidence, de la vacance présidentielle, est devenu un sujet politique. On a bien vu que pendant l'année d'épidémie, le premier déconfinement, consigne a été donnée, ne partez pas de France. Les touristes français ne peuvent pas partir à l'étranger. Les Français sont confinés dans leur pays pour les vacances. Vous, ministre, donnez l'exemple. Même exemple. Emmanuel Macron, pour revenir à notre président actuel, ses premières vacances, il les a passées à Marseille, donc en toute discrétion, mais une photo a fuité. Les vacances des présidents, ça traduit leur façon de faire de la politique, Christophe ? Oui, leur façon de montrer aux Français qu'ils sont comme eux, mais pas tout à fait comme eux. Quand François Hollande est parti en 2012 pour ce premier été, il voulait, après un quinquennat de stress avec Sarkozy, être le président normal. Le président normal, il était en Bermuda, à prendre des vacances un peu longues, alors qu'à ce moment-là, la crise économique faisait quand même rage et il préparait, lui, un choc fiscal pour la rentrée. C'était une erreur politique. C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, c'est... ses premières vacances jugées trop bling. Vacances de milliardaires versus François Hollande qui déambule en short, en polo, entre les plagistes de Cabasson. Avec pour Sarkozy en plus la dimension Cécilia, puisque le couple était en train de se séparer. Nicolas Sarkozy s'est fait prendre à son propre jeu pendant ses premières vacances aux États-Unis. Au début, il avait décidé d'être médiatisé, il se laissait prendre en photo pendant son footing. Et puis au bout de 3 jours, il a donné une conférence de presse en disant aux journalistes français, aux journalistes américains, maintenant c'est fini, rentrez chez vous, je ne vous donnerai plus rien. Alors les journalistes français ont plutôt accepté, les journalistes américains, c'est pas du tout dans leur culture. Donc le lendemain, il le prenait en photo en train de faire du canoë-kayak avec ses amis milliardaires, avec Cécilia Sarkozy et avec Rachida Dati, et on ne savait pas que Rachida Dati était en vacances avec eux. Et alors là, il a complètement pété les plombs, on peut le dire. Il est monté sur le bateau des journalistes américains, il leur a enlevé la pellicule, il était complètement fou. Et ça aurait pu faire un gros scandale aux États-Unis. Marion. Vacances en France donc, et cette petite phrase, les Français veulent que le président parte à Brégançon, mais ils ne veulent pas qu'il dépense pour redécorer Brégançon. C'était l'avertissement adressé par François Hollande à Emmanuel Macron, qui s'est pourtant offert la première polémique de son quinquennat en faisant construire la fameuse Sinorsol. La piscine devrait être installée avant l'été à Brégançon pour les vacances du couple Macron. Un modèle hors sol, car il est impossible de creuser un bassin sur ce site classé monument historique. Le président, ce matin, en déplacement en Bretagne, fuit en tout cas la question piscine. Bon séjour, bon déplacement à vous. Merci à vous. Le couple Macron veut être à l'abri des paparazzi. Et la plage privée, en bas du fort, la voici, n'est pas assez isolée, explique l'Élysée. Voilà, alors Hollande, lui, a eu l'affaire des coussins de Brégançon. C'était presque son fouquet's, les coussins, surtout pour lui qui se voulait un président normal, au point de partir en train dans le sud. On voit bien que les mailles du filet se resserrent, quoi. Le moindre anecdote est sujette à polémique. Alors on n'accepte plus rien. D'ailleurs, cette affaire des coussins, on ne sait même pas si elle a vraiment existé. Une commande de coussins. Voilà, c'est quelques coussins. Valérie Trierweiler dit qu'il n'y a jamais eu de coussins. François Hollande dit qu'il y en a eu. Valérie Trierweiler, elle parle de 2 paravents. C'est la seule rénovation, en quelque sorte, qu'elle a fait à Brégançon, alors qu'il faut se souvenir que toutes les premières dames avant, que ce soit Claude Pompidou, Anne-Émone Giscard d'Estaing ou Bernadette Chirac, qui adoraient redécorer toutes les maisons de la République, elles ont refait tout Brégançon de la cave au grenier. Il y a une solution très simple quand même, c'est de se débarrasser de Brégançon. Il n'y a aucune raison que le président de la République ait Brégançon. Vendons-le, faisons un hôtel ou ouvrons-le pour des vacances d'enfants défavorisés, ça sera plus utile. Il y a assez de résidences pour le président de la République. Je rappelle que le président s'est arrogé la lanterne à Versailles, qui normalement était au Premier ministre. Il doit y encore y avoir Souzy Labriche, à moins que ça ait été vendu. C'est fini, Souzy Labriche, depuis longtemps. Bon. J'ai appris l'existence. Vous voulez qu'il aille à la plage à Versailles, alors donc, il faut quand même un lieu. Si le président de la République veut aller à la plage, il se loue une chambre d'hôtel ou un appartement à la plage. Alors, il y a des conditions de sécurité à faire respecter. Mais à Marseille, le premier été, Macron, c'était louer une maison ou c'était fait prêter une maison pas loin de la préfecture. Un ami préfet, voilà. Pardon, moi, j'ai souvenir de Sarkozy louant une maison dans le sud-ouest. Un cauchemar pour des dizaines de milliers d'habitants à la ronde à cause des mesures de sécurité. Bon, Nicolas Sarkozy, le problème Brégançon. Si Emmanuel Macron choisit Brégançon, c'est justement parce que c'est pas Brégançon, c'est pas très joli. Vous savez, les fenêtres sont petites, c'est une ancienne caserne militaire, c'est vraiment pas le lieu de villégiature rêvée. S'il y va, c'est que c'est plus simple à sécuriser, justement, c'est le plus simple. Alors, Marion, le premier à avoir mis en scène ses vacances à Brégançon, c'était Pompidou.
C'était une ambiance détendue, une ambiance de vacances. On a alors laissé de côté les problèmes politiques pour parler vacances. Est-ce que vous assistez à des concerts, à des manifestations ici aux alentours? Oui. Non, on n'est pas sorti. Pas du tout. Non, vraiment. Est-ce que vous avez commencé la lecture du livre sur l'histoire de Brégançon? Oui, j'ai commencé. Mais je trouve qu'il ne s'est pas passé assez de choses. Voilà, alors Giscard, lui, déplorait qu'il n'y ait pas assez de tennis. Il allait chez ses voisins, qui étaient propriétaires, eux, du château de Brégançon. Il y était si à l'aise, d'ailleurs, qu'il y allait sans les prévenir. Et les voisins les laissaient gagner. Oui, c'était ça. Et un jour, ils lui ont dit, non, c'est pas possible, on part en week-end pour le 15 août, vous pouvez pas venir. Il a dit, mais comment ça? Vous me refusez de venir sur votre cour de tennis? Je suis le président de la République. Et il comprenait pas pourquoi... Parce que Valéry Giscard d'Estaing adorait faire du tennis et à Brégançon, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y avait pas de piscine non plus. Alors, parce que ça fait quelques décennies déjà qu'on parle d'installer une piscine à Brégançon. Et finalement, c'est Emmanuel Macron qui a installé cette piscine. Hors sol. Et les vacances, de toute manière, à Brégançon, même très brèves et beaucoup plus bref qu'avant, elle donne l'occasion bien sûr aux photographes d'essayer de chasser la photo, et les présidents le savent bien, donc ils sont là souvent en tenue décontractée, voire même en maillot de bain. Le premier qui se montre en maillot de bain, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il était assez content de son physique. Oui, c'est ça, vraiment en maillot de bain, parce que Pompidou, il y a quelques photos où il est en maillot de bain, mais avec un pull. Ouais. Mais Valéry Giscard d'Estaing, lui, il montre tout. Hein, vous voyez, mais on sent le gars qui a fait des rallyes. Mais on voit encore aujourd'hui Emmanuel Macron sur son jet ski. Alors, à chaque fois, il contracte le muscle. Donc on voit regardez que le corps la photo. Du président est un enjeu en ce moment. Regardez la photo, ce sera mieux qu'en le racontant. Vous allez montrer la photo. Voilà. Il sait que la photo va être montrée et remontrée. D'ailleurs, le Sunday Times la met en une avec une légende. Emmanuel Macron tente de résoudre tous les problèmes du monde assis sur son jet ski. C'est de l'ironie toute britannique, ça. C'est de l'ironie britannique. Néanmoins, le choix du jet ski pour Emmanuel Macron n'est pas un choix idiot, parce que c'est un sport moderne. Pas très écolo, mais quand même un sport dans la nature. Qui va plaire aux jeunes? C'est un peu le McFly et Carlito version sport nautique quand même, le jet ski. C'est plus moderne que le ski nautique qui a pris un petit coup de vieux ou que la planche à voile qui date de ma jeunesse à moi. Et ça change d'Angela Merkel qui fait ses randonnées tous les ans dans la même montagne, elle descend dans le même hôtel, elle porte la même chemise à carreaux. Donc c'est pas du tout la même image qu'Emmanuel Macron sur son jet ski. Si on remonte dans le temps, août 95, Jacques Chirac, lui, a une certaine facilité à se mêler au bon peuple. Il a même un vrai goût pour cela. Mais en revanche, on sent bien qu'il se fout un peu de ses tenues. Vue imprenable sur le fort de Brégançon, havre de tranquillité pour président en vacances. Loin des regards, c'est une autre affaire. C'est vrai qu'il y a les détours obligés quasi officiels. Jacques Chirac s'y est prêté une fois le week-end dernier en venant se mêler à la petite foule massée autour de l'église de Bormes-les-Mimosas à l'heure des vêpres. Mais d'autres en voulaient plus. Surprendre Jacques Chirac au naturel, dans la tenue estivale de Monsieur Tout-le-Monde, enfin presque. Ainsi apparaît le président en toute décontraction, pour le haut et jusqu'aux Bermudas au moins. En bas, on est resté plus strict. On se dit quand même, quand on s'arrête sur cette photo avec le bas, comme dit le commentateur, que Claude Chirac a dû piquer une colère en voyant son père avec les soquettes et les godasses de ville, non? C'était difficile de fabriquer quelque chose avec Jacques Chirac. Rappelez-vous le Walkman, la casquette, les baskets pour accueillir Madonna quelques années avant d'être élu à l'Élysée. C'était tout aussi ridicule. Il n'a jamais su vraiment faire l'esthétique de la communication. Et puis un jour, il est même sorti en tenue d'Adam. Alors ça, c'est encore la grande légende aussi, parce qu'on dit qu'en fait, ces photos n'ont jamais existé, alors que donc la grande histoire, ce sont les photos de Jacques Chirac tout nu au balcon de Brégançon. Ce sont des photographes qui ont dit qu'ils les avaient prises. Voilà, et qu'ils les ont proposées à plusieurs magazines, dont Paris Match, par exemple. Personne n'a voulu les publier. Quelques magazines étrangers ont voulu payer très cher pour les publier, mais les banques d'images françaises ont refusé. Et maintenant, moi, il y a un ancien directeur de Paris Match qui m'a dit que ces photos n'avaient jamais existé. Jacques Chirac avait lui-même, à mon avis, accrédité un peu la légende en racontant qu'il avait voulu sortir sur le balcon parce qu'un navire croisait au loin avec un pavillon étranger. Il avait voulu voir avec une paire de jumelles, qu'il n'avait pas eu le temps de se rhabiller, qu'il était donc tout nu sur son balcon. Alors, il paraît qu'il voulait observer. Alors, il y avait le bateau de Schumacher qui était juste à côté, et Schumacher recevait toujours de très jolies filles, et Jacques Chirac les observait avec sa... réalité dépasse la fiction. Cet été, la pandémie va obliger le président à être très vigilant.
et très peu en vacances. Bien sûr, il lui faut absolument rester sur le territoire français, prendre très peu de vacances. Il y aura une rentrée politique forcément un peu précoce. À cause à de la campagne. À cause de l'échéance 2022. Et on verra bien, là, dans quelques jours, si des régionales accouchent des présidentiables. Et la droite et la gauche vont devoir choisir leur champion assez vite à la sortie de l'automne. Donc il n'y aura pas vraiment trop de vacances et la rentrée sera très vite là. Ça fait partie de ces tyrannies que nous impose l'épidémie. C'est votre ouvrage, je le rappelle, Christophe Barbier. C'est aux éditions Fayard, l'Élysée à la plage dans l'intimité de nos présidents en vacances. C'est signé Pierrick Jay et c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à tous les deux.